Ami de la vape, salut, c'est moi. Aujourd'hui, je dois te parler d'un liquide. Il va te permettre de survivre. Parce que c'était la pandémie. Jingle. Un panier qui est smart. I love how all girls are move them body. And when you move your body, on a move it nice and sweet and sexy. Alright, woman, you're cute. How you doing, you know? Bitch, you're not your body. You want me part, woman, you're cute. How you doing, you know? Bitch, you're not your body. You want me part, woman, woman, bitch, you're calipeta. Ok, salut tout le monde, c'est Théo, comment allez-vous? Écoutez-moi, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un DAI. Oui, je vous ai dit dans ma précédente vidéo que il allait avoir quelques vidéos DAI. Oui, c'est vrai. Bah oui, faut l'avouer. Eh oui, faut l'avouer. Donc aujourd'hui, on va parler du Pandémie de chez Survival. Je suis sur le petit vapoteur. Écoute, mon ami. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit le petit vapoteur. Savoir que le DAI est encore plein, je ne l'ai pas encore ouvert, je ne l'ai pas encore testé. Alors, c'est un absolu de dessert, composé d'une crème glacée à la vanille, sur laquelle il pourrait se poser un délicat cookie avec ses pépites de chocolat. Et oui, pour les amateurs de liquide gourmand, bah oui, mon ami, au prix de 14,90€ pour 30 ml. 13,90€, excuse-moi, disponible qu'en 30 ml. Alors, écoute, tu me dis, oui, mais non, Météo. It's not possible because que tu peux tester un autre liquide. Eh ben non, parce que je vais le juicer devant toi. Donc, je remercie Sylviane encore une fois qui m'a fait ses petits dailles. Je te remercie. Et parlons bien, parlons peu. Je remercie Sylviane, évidemment. Attention. Voilà, je voulais me faire un kiff. Qui m'a fait ce petit pandémie. Sur une base 70-30 en 3000 grammes de nicotine. Il date du 22-1-2017. Nous sommes le 5-2-2017. Je vais vous le cotonner, hein. Mais non, mais avant de le cotonner, Jamy, on va le sentir. Alors, c'est bizarre parce que juste à côté de moi, j'ai une boîte de cookies. Mais oui, coïncidence. Alors, au niveau odeur, j'arrive vraiment pas à découvrir cette saveur de cookie, ni de crème glacée vanillée. Bah, je le sens vite fait. Du moins, j'arrive à sentir la vanille. Hop. Voilà que c'est juicé. Et on va remettre le plateau, la cloche. On est sur Limitless RDTA. Plus, évidemment. 0,30 ohms, évidemment. À 61 watts. Allez. On est fou, 65 watts. 3000 grammes de nicotine. Let's go. Nickel. Wow. Wow. Ouais. Alors, c'est bizarre parce que j'ai l'impression. Est-ce que je dis une bêtise? Que c'est un liquide vanillé, oui, mais j'ai une pointe. Alors, je ne sais pas si c'est la nicotine qui fait ça. Je ressens bien un peu de cookie. Très, très peu de cookie, même. J'ai une bonne saveur de vanille, ça c'est sûr et certain. Mais j'ai une grosse note de. J'ai une note de. Un peu d'eucalyptus. C'est bizarre. Je vais aller revoir sur le site. Alors. Mais. Voilà, moi je m'attendais vraiment à un truc gourmand. Au final, est-ce que c'est l'aspect du cookie qui donne ça? J'ai déjà popé du cookie et c'est pas énormissime. Ah voilà, là ça commence à. Ouais. Ça commence à. Ouais. Ouais, il est bon, mais j'ai l'impression d'un petit truc, je sais pas, un peu piquant, enfin piquant, mentholé, je sais pas, eucalyptus, je saurais pas vous l'expliquer, mais l'aspect vanille cookie est vraiment là, ça serait pas du tout mon all day, là, loin de là, à savoir que c'est liquide.
Après plusieurs checks, je pense avoir trouvé la cause. C'est qu'il n'est pas assez dosé, donc je pense que c'est ça. Il n'est pas assez dosé. Il est très bon, mais c'est pas un all day du tout. Pour ceux qui le vapent, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce liquide. L'aspect cookie, je l'ai, mais il n'est pas top top. L'aspect vanille, je l'ai moyen moyen. C'est pas assez loin de là d'être un gustard. Et on tombe sur un liquide un peu marron. Voilà. Conseil de ce type, une semaine. Ça fait bien plus d'une semaine, je pense. Je vais remettre du liquide dessus. Mais ouais, je vous en fais une revue à contre-cœur, parce que c'est loin d'être mon coup de cœur, quoi. Hop. Ouais, c'est loin d'être mon coup de cœur. Alors, c'est pas mon coton est presque neuf, donc vous inquiétez pas, c'est pas le coton qui fait ça. Mais voilà, c'est pas un all day pour moi. Ouais, j'ai vraiment un aspect qui est pas mauvais, mais j'ai un aspect un peu frais qui revient en arrière-plan. Je connais pas du tout cette gamme de la gamme Survival, donc je pourrais pas vous en dire plus là-dessus. Mais bon, lien en description pour vous l'acheter, pour vous le procurer un peu tout ci, un peu tout ça. C'est un concentré, ça veut dire qu'il vous faudra une base, un Nico Boost et un flacon. Voilà, c'est tout. En description, vous trouvez le lien du petit vapoteur. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. On se retrouve pour une dernière barre, comme à mes habitudes. Et on se retrouvera sûrement demain à 20h. Maintenant, voilà, j'ai décidé de sortir mes vidéos à 20h, donc elles sortiront tous les jours à 20h. Et j'essaierai minimum de faire une à deux vidéos par semaine. Plein de gros bisous, et puis on se retrouve pour une dernière barre comme d'habitude. Ciao!